Cet homme est sûr de ce qu'il pense, il hait la France. Qu'est-ce qui ne va plus? Qu'est-ce qui ne va plus? Là, vous êtes sûrement point passé à côté de cette interview choc de Piotr Tolstoï, le vice-président de la Douma, le Parlement russe, interviewé par un piètre journaliste. Déjà, on s'arrête sur cette image, regardez. Elle parle d'elle-même, rien que cette image, elle parle d'elle-même. Le géant russe face à la petite France. Eh oui, la France est devenue petite. C'est l'effet du conditionnement de l'Europe. Eh oui, la France. La France n'est plus souveraine. Vive l'Europe! La petite France, malgré ses 200 ogives nucléaires. Eh oui, 200 missiles qui n'ont même pas fait trembler Tolstoï. Ah, Piotr, il a... Oui, pas de souci. Alors, est-ce qu'on est plutôt dans une escalade ou est-ce que Macron a compris le message? Je ne sais pas. Est-ce que Macron va envoyer des petits soldats français au casse-pipe dans les tranchées du Donbass? Il va les recruter où? Est-ce qu'il va recruter les meilleurs joueurs de Counter-Strike ou de Call of Duty, hein? Parce que est-ce qu'on a vraiment une armée en France? On a plutôt une armée de profession. On n'a pas une armée de guerriers. Je pense pas qu'on ait une armée prédisposée et préparée pour aller au conflit. En tout cas, j'ai un doute. J'ai aussi un doute sur l'obéissance totale au président. Peut-être que les chefs d'état-major vont peut-être se retourner contre lui, se rebeller. Je ne sais pas. Enfin bon, il y a toujours des va-t-en guerre, ça. Peut-être que les premiers soldats seront recrutés à base du volontariat, je ne sais pas. Bah, on n'en est pas encore là, mais... Faut commencer à se poser des questions hein, avec le gouvernement français. C'est assez complexe, en tout cas, on est sur un narratif qui va sur ce chemin. C'est une guerre qui concerne nos élites, hein. Ça ne concerne pas le peuple français et ni le peuple européen. Est-ce que la France est vraiment en danger? Non, elle n'est pas en danger. La Russie ne va pas venir envahir la France, c'est absurde de penser ça. On a compris que le conflit ukrainien-russe est très complexe. Hein. C'est une guerre fratricide entre deux peuples identiques, issus de la même racine. Qui se débrouillent entre eux. C'est dommage d'en arriver là. Il y avait des négociations au tout début du conflit qui étaient enclenchées. On ne les a pas laissées faire. On les a poussées, les Ukrainiens. Et voilà. Voilà où on en est aujourd'hui. Et notre fameuse organisation de l'OTAN, qui était créée à la base pour être une union hein, solidaire pour contenir la paix, aujourd'hui, elle est plutôt dans une optique de pousser à la guerre. Enfin voilà, j'ai fait un petit condensé des propos de Piotr Tolstoï, hein, qui nous fait peur. Et pour résumer ses propos, voilà, en fait, c'est quelqu'un qui se sent menacé, qui menace. Il représente l'opinion russe. On attend de voir la suite. Sur ce, les amis, à bientôt. Ciao. L'idée d'envoyer les soldats français en Ukraine, ça va se terminer par les cercueils à Orly, couverts par le tricolore. Et c'est pas Macron qui va aller les chercher. Donc les Français, ils doivent comprendre les conséquences. La France est gouvernée d'une partie par les pervers. C'est la dégradation des leaders européens. C'est des gens qui n'ont pas même l'idée de leur parole. Ils ne peuvent pas tenir la parole. Les visions russes, on calcule la durée qu'il faudrait pour un missile nucléaire pour arriver à Paris. Non, deux minutes, ouais. Selon Soloviev. Pas deux minutes, un peu plus. Vous, les Français, êtes en train de provoquer la Troisième Guerre mondiale. Je ne veux pas que mon pays, Ukraine, restera sous la dictature des pays occidentaux et de l'OTAN. L'Ukraine n'existera jamais dans les frontières qu'il y avait avant la guerre. Point. Pour nous, c'est une question existentielle. Et on ne va pas arrêter. On ne croit plus aux accords avec les Européens, on ne croit plus aux accords avec les Américains. On va garantir notre sécurité à tel point à quel ça sera décidé par Vladimir Poutine. C'est tout simple. On s'en fout de son opinion. Vous vous foutez de ce que dit Emmanuel Macron? Exactement. Et quand il vous dit qu'il est prêt, éventuellement, à ne pas se fixer de limites? On s'en fout de ses limites. On s'en fout de Macron, de ce qu'il dit Macron. On s'en fout de limites de Macron. Et on va tuer... La France reste une puissance nucléaire. Vous l'avez en tête. Tout à fait, avec 200 missiles. Et donc, on va tuer tous les soldats français qui vont venir au sol ukrainien. Tous. Et on va tuer tout le monde. Vous inquiétez pas.